fait, à la base, quand je suis arrivé ici, c'était le foot, je pensais pas. Je suis pas arrivé ici en France en me disant oui, faut que je réussisse dans le foot. Non, c'était plus pour les études. J'ai commencé à Villeparisis, en Benjamin. J'ai fait deux ans et demi, trois ans. Après, je suis parti à Montfermeil, où c'était un petit peu plus engagé. Je suis resté là-bas pendant 3 ans et ensuite je suis parti à Toulouse où j'ai effectué 3 années là-bas. C'était lors d'un match, il y avait les recruteurs de Toulouse. Ils ont aimé, ils m'ont demandé d'aller faire un test là-bas et visiter le centre et faire un match avec leur équipe. Et donc j'ai fait une bonne prestation et juste après ils m'ont dit comme quoi ils allaient me proposer quelque chose. Et après j'ai eu l'honneur de signer dans ce club. Ben, ma première année quand je suis arrivé, je me suis vite intégré en fait. Ça allait, j'ai eu le brassard pendant quelques temps et ensuite j'ai eu une fracture au genou. J'ai été arrêté au moins pendant à peu près une saison, on va dire 6 à 7 mois. Donc je me suis fait opérer, ça m'a ralenti un peu au niveau de ma progression. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que voilà, je suis en forme et je commence à... C'est pas que je commence à retrouver mon niveau, mais je commence à... En fait, là, je suis très très bien là. Je me sens bien et c'est le plus important. Je serai à Nîmes Olympique. Ils sont actuellement en Ligue 2 et je vais commencer avec la réserve. Je reprends l'entraînement mardi. Pour cette saison, c'est déjà de m'imposer. Et comme c'est une nouvelle équipe, faut vite avoir les repères. Pour les ambitions, je pense, mon ambition c'est de signer pro le plus vite possible. Et ça passe par le travail et le sérieux. Et je pense que cette année, je suis bien déterminé pour atteindre cette ambition-là. C'était le coach Otis Ngoma. Il m'a appelé. Il m'a parlé, il m'a dit comme quoi il avait besoin de moi et des autres pour représenter le Congo contre la France. Sans hésitation, j'ai dit oui. Donc après, on a eu un stage de 3-4 jours à Toulouse où tout s'est bien passé, on manquait de rien. La fédération s'est bien occupée de nous, a bien fait les choses. Et donc voilà, on a fait une bonne préparation, un bon stage et on a fait un très très bon match contre la France avec une bonne prestation de l'équipe. Je veux dire, il manquait on va dire quelques jours de travail, juste ça. Juste déjà quand on voit avec 3-4 jours, on arrive à faire... On arrive à faire quelque chose de bien. On a pas pris une valise, il y a eu des zéros et quand on regarde les buts qu'ils ont marqués, c'est juste par nos erreurs quoi. Donc je pense qu'avec plus de jours de travail, on aurait pu très bien les tenir et même faire quelque chose parce qu'on a raté quelques occasions aussi. Donc je pense qu'il y a juste ça. Et c'était lors, on va dire, d'une détection pour l'équipe nationale de U17. C'est là que j'ai eu la chance d'intégrer le groupe U20 avec le coach Baudouin Lofombo. Et ensuite, j'ai eu un stage de 3 jours parce qu'ils avaient déjà commencé bien longtemps. J'ai intégré le groupe 2-3 jours avant le match contre l'île Maurice. Ça s'est bien passé, tout était parfait. Après, on a fini avec une victoire, donc il n'y a rien de mieux, quoi. C'était pour la Coupe d'Afrique,
en Algérie. Après, je sais pas si c'était pour une question d'âge, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je devais aller. J'étais monté sur Paris pour prendre mon avion pour aller en Algérie, pour les rejoindre. Sauf qu'à la fin, j'ai pas pu. Et donc, je suis retourné à Toulouse pour continuer mon championnat. Déjà, avant il n'y avait pas cette rigueur, il n'y avait pas cette envie, il n'y avait pas cette chance aux jeunes de Léopard de jouer contre la France ou une autre sélection. Mais depuis que la sélection a fini troisième de la Coupe d'Afrique, c'est là que beaucoup de jeunes ont vu qu'il y avait, quelque chose de bien concret qui commençait à se créer au sein de la fédération. Donc on est beaucoup à être motivés pour représenter le pays. Oui, beaucoup. J'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup de messages. Comment s'est passée la sélection? Alors l'organisation, c'est comment? Parce qu'avant c'était un petit peu bizarre. J'ai dit non, là c'est vraiment quelque chose de sérieux. Venez, on va représenter le pays, on peut vraiment faire quelque chose de bien. Donc voilà, après ils sont prêts, mais ils ont juste un petit peu peur. Mais je pense que d'ici, avec plus de matchs amicaux ou quelques sélections, ils verront l'équipe, ils verront la puissance qui est en train de se créer. Et je pense que sans hésitation, ils feront comme moi et les autres. Déjà, l'équipe nationale, ça me fait toujours rêver. De porter les couleurs du pays, ça me donne une autre force. Et je parle à mon nom et je parle aussi au nom de l'équipe. Et c'est sûr, on a des ambitions déjà au niveau de U20, de faire la Coupe d'Afrique, de faire la Coupe du Monde. Il y a des tournois, il y a des matchs amicaux à gagner. J'espère que je repasse sur quelque chose de nouveau. Parce que c'est juste que j'ai tourné la page de la blessure, mais j'ai besoin de ce qui s'est passé derrière pour me motiver à réussir. J'oublie pas mon passé et c'est ce qui fait ma force aujourd'hui. Donc la blessure, oui, il y a eu la blessure, maintenant c'est passé, je tourne cette patte. Mais ça me donne l'agnac quand même de me dire oui, j'étais à deux doigts d'arrêter le foot à cause d'une fracture de genou contre genou. Et c'était quoi? C'était lors d'un tournoi de Montaigu. C'était contre le Cameroun, la sélection camerounaise. Et à partir de là, j'ai une fracture, je me suis fait opérer. On m'a enlevé un fragment et j'ai repris cette saison. Enfin, fin de la saison dernière et début de la saison qui vient de finir. Donc maintenant j'ai pas encore dépassé mon meilleur niveau, mais je travaille pour le dépasser. Et je remercie encore Dieu d'avoir cet entourage. Je suis bien entouré, très très bien entouré. Et je pense que juste avec ma détermination, le travail, ça ira.